Hello les amis, comment allez-vous pour ce soir? Bon, petite séance, d'accord, la dernière fois, rappelez-vous, on a travaillé les membres inférieurs. Eh bien aujourd'hui, on va travailler tous les groupes musculaires, d'accord? Alors, des exercices qu'on a déjà fait ensemble, il y a du push-up. Qu'est-ce que c'est que le push-up? Je vous fais juste un petit rappel avant. On va les faire sur les genoux cette fois-ci. Alors j'espère que vous voyez bien. Donc j'ai le poids du corps bien sur les épaules, mes bras bien à la verticale. Et là, vous allez descendre bassin, poitrine en même temps. Et là, on va partir en push-up triceps. Ça veut dire que vos bras, ils sont bien serrés le long du corps. Et je remonte. N'oubliez pas, oreille, épaule, bassin, je fais qu'une ligne. Et juste en position au sol, les genoux et vos mains. D'accord? Donc ça, soyez vigilant là-dessus, sur votre posturale, si je me mets sur le côté. D'accord? Je suis sur le genou. J'ai les bras à la verticale, je serre avec mes bras les côtes, je descends, et quand vous descendez, vous devez sentir vos côtes sur vos bras. Je descends la poitrine en même temps que le bassin, je prends une bonne inspiration, je souffle bien, et je remonte, d'accord? Donc ça, ça sera pour la position des push-ups, vous allez en avoir beaucoup sur la séance. Alors, évidemment, comme toutes les séances qu'on a fait ensemble, à part la dernière fois, on a attaqué directement les quadriceps. On a travaillé sur les quadriceps, les fessiers. Donc, on est parti tranquillement et on n'avait pas spécialement besoin d'échauffement. Là, pour ce bloc-là, on va faire 3 voire 4 blocs. Tout dépend de votre état de fatigue. Donc, on va commencer par un échauffement. Et ensuite, on va voir, vous allez voir beaucoup d'exercices qu'on a déjà fait. Là, je vous ai rappelé le push-up. Les squats, vous connaissez évidemment. Jumping jack, vous vous en rappelez, hein, on en a fait régulièrement. On va faire du biking. Qu'est-ce que c'est le biking? C'est juste monter de talons, fesses, d'accord? Parce qu'en gros, on va travailler, comme je vous ai dit, tous les groupes musculaires. On va faire 5 exercices, vraiment, membres supérieurs, membres inférieurs. Et ensuite, on va travailler le cardio. On va faire 5 exercices, on va enchaîner 5 exercices en 20 secondes de travail, 10 secondes de récup. D'accord, je vous ai déjà parlé de Tabata, donc c'est, voilà, en gros, ça va être ça. D'accord? Ok, donc ensuite, on va, sur le cardio, je vous ai dit 5 exercices, on va le faire 3 fois, on va essayer de faire 3 fois ces 10 exercices-là, donc ça va être assez cardio, d'accord? Et ensuite, je vous ferai une petite surprise, on fera une petite option, après un petit bonus à la SEB, comme vous connaissez bien, d'accord? Et là, sur ce petit bonus-là, on va enchaîner 7 exercices. Et là, on va mixer, d'accord, tout le travail des groupes musculaires et on va travailler le cardio en plus. Alors, ce que je ne vous ai pas dit en amont, pensez à votre bouteille d'eau, votre serviette de toilette, d'accord, et votre tapis de sol. Ça marche? Bon, j'espère que vous êtes nombreux à faire cette séance ce soir. Évidemment, à la maison, d'accord, mais il y a toujours des solutions pour travailler. Vous avez vu la dernière fois, on a travaillé pendant un quart d'heure, mais un quart d'heure, je vous ai prouvé qu'en un quart d'heure, on pouvait vraiment travailler. Je pense qu'aujourd'hui, vous avez encore des courbatures de la dernière séance. C'est normal, hein, on a travaillé des gros muscles, c'était hyper fatigant et on les a travaillés en plus en intensité et dans la durée. D'accord? Donc voilà, bon, j'espère que tout le monde est prêt. Les frangins, vous êtes prêts? Je sais, je parle toujours des frangins, mais ils se mettent toujours au fond de la salle, donc ils me donnent un petit peu plus de surveillance. Ok les amis, d'accord, alors on va commencer directement par un petit échauffement. On va partir sur du jumping jack, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et là, on va partir, je voulais mettre un petit peu ma musique, à s'arrêter avant de commencer. J'ai besoin de musique moi les amis, je travaille toujours en musique. Alors, j'ai peut-être pas trop de connexion ici. Alors, est-ce que ça va marcher? Ça va marcher? Ok. Allez, je pousse un peu les tapis. Faites-vous de la place à la maison. Faites attention aux meubles. Hein. Sinon, vous allez vous faire disputer soit par le mari ou par votre femme. Ne cassez pas le vase. Ok. Allez, c'est parti, les amis. On va partir sur du jumping jack. Go, 15 jumping jack. Allez. 1, 2, tranquille, Eric. 3, 4, ça y est, il commence déjà. 5. Économise-toi, on est à l'échauffement. Je sais, Didier va trop vite, comme d'habitude, mais Didier va être vite, calmé. Allez, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15. Ouh. Le sourire, les filles. Le sourire, les filles. Oh. Ah, voilà, je préfère ça. Ok, les mains alors, sur les tempes. Et là, on vient monter genoux, toucher genoux, coude. 2, 3, 4. Allez, bien sûr, vos obliques. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 10 secondes. Attention, on repart sur le jumping jack. Go. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien. On va monter un petit peu le cardio, on va monter un peu la sudation. Alors, go, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, regardez-le en face de vous, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouh. Ça va tout le monde? Ça va toujours à la maison? Ok, on part sur le jumping jack. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Bien les amis. Allez, les mains sur les tempes. Go, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, soufflez bien. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 les amis. Bien. Allez, pensez à vous hydrater. Et on va commencer la séance. Alors sur le premier exercice, vous pouvez déjà prendre votre tapis si vous voulez. Rappelez-vous ce que je vous ai montré tout à l'heure à l'échauffement. On va partir sur les push-ups. Je mets mon chrono. Ouf. Alors. Ok. Alors, on se met en position et on va partir sur 20 secondes de travail. Allez, go, c'est parti pour tout le monde. 1. Rappelez-vous, je vous ai dit, les bras serrés. D'accord? Là, on travaille sur du push-up, mais sur les triceps. Allez, encore. Soufflez bien. J'inspire en descendant, j'expire en montant. Ok, stop. 20 secondes de travail. On va en profiter. Vous allez vous mettre sur le dos. On n'a que 10 secondes de récup, les amis. On va chercher loin derrière. On tend les jambes et on va chercher les chevilles. Go. Abdos, portefeuille. Allez, bien en extension derrière, bien en extension sur les membres inférieurs et on ramène. Ok? Allez, continuez. Posez bien vos cervicales derrière. Et on souffle bien. Ok. 10 secondes de récup. Maintenant, on va se redresser. On va se faire un petit rappel de la dernière séance. 3, 2, 1, on part en squat. Go. Descendez bien, ancrez bien les talons au sol. Engagez bien vos fessiers sur l'arrière. Regardez bien en face de vous. Redressez votre colonne cervicale par rapport à votre colonne vertébrale. J'inspire en descendant, j'expire en montant. J'ancre bien les talons au sol. Les pieds largeur du bassin. Stop. Ok. On reprend son tapis. Vous avez vu, 20 secondes, 10 secondes, ça va très vite. Donc là, vous allez tendre vos bras sur le devant. Vous allez imaginer une barre virtuelle et on la ramène sous la poitrine. Go. Et je pose le menton au sol, les pieds sont bien au sol également. Allez, on fait la position du rameur. On lève bien le buste pour engager la barre virtuelle sous la poitrine. Encore. Encore. Encore.
Stop. On récupère 10 secondes. Et là, on va terminer ce premier bloc avec les push-ups. Donc, on est allongé et on va remonter à mon top. Go, c'est parti. Sur les genoux, toujours. Soufflez bien. 10 secondes encore. Et après, la bonne nouvelle. Juste après ce premier bloc de 5 exercices, 3, 2, 1, stop. Yes, 1 minute de pause. Pensez à bien vous hydrater. Les prochains exercices, ça va être sur du cardio. Après cette petite minute de pause, j'espère que tout le monde va bien à la maison. Ouf. J'espère entre les séances, vous avez fait un petit peu d'activité chez vous. Je vous l'ai dit la dernière séance, hein. Pensez à l'activité physique, c'est votre capital santé, mes amis. Rien de mieux pour renforcer votre système immunitaire. Ça doit être primordial. Ça devrait être même remboursé par la sécurité sociale. C'est la petite blague du soir. Ok, les amis. Alors, on va se préparer sur le premier exercice. On va avoir du jumping jack sur le cardio, du mountain climber. Rappelez-vous ce que c'est, hein. On glisse bien les pieds au sol. J'ai le poids du corps vers sur les épaules. Je monte les genoux, ok, sur le mountain. Ensuite, on a le picking. Après, on aura du monté de genoux. Et sur du déplacement, gainage latéral. Donc, il faudra travailler la coordination. C'est-à-dire, vous allez vous déplacer en gainage sur les mains. J'aspire bien le nombril. Je redresse ma colonne cervicale. Je contracte bien mes fessiers. Là, je me déplace en même temps. 1, 2. Et je pars de l'autre côté. 1, 2. D'accord ? Il n'y a que celui-là qu'on n'a pas fait régulièrement. Les autres, vous les connaissez. Ok ? Allez, je vous ai laissé un peu plus de temps. Sachant que les 10 exercices, on va les refaire 2 voire 3 fois. D'accord ? Allez, on repart sur 20 secondes de travail. Go, c'est parti sur le jumping jack. Et là, on le travaille un petit peu plus en intensité. Encore, soufflez. Allez, allez, jusqu'au bout. Allez, 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 on ne lâche plus. Allez, 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 allez. Ok, stop. 10 secondes de récup. On se prépare sur ces 10 secondes pour monter le climber. 3, 2, 1, go, c'est parti. Redressez votre colonne cervicale. Et on monte bien les genoux. Allez. Encore 10 secondes. Allez, 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 allez. Didier, à fond, à fond, je sais que t'aimes pas. Le mountain climber, c'est pas ton truc, mais on donne tout ce qu'on a. Stop. Wouh. Ouais, ça pique un peu. Et là, on va partir sur le picking. 3, 2, 1, go. Vous pouvez vous déplacer, pas trop. Attention au même, mes amis. Allez, soufflez bien, dos bien droit. Allez, on accélère un peu. Allez, jusqu'au bout. Allez. 3, 2, 1, stop. Wouh. Allez, 10 secondes de récup. Ça va aller très très vite. 3, 2, 1, montez le genou. Allez. Allez, encore, encore, encore. 10 secondes. Allez, regardez bien en face de vous. 3, 2, 1, stop. Wouh. On va se mettre en position de gainage. Sur les mains. 3, 2, 1, gainage. Déplacement. Soufflez bien. Encore 10 secondes, allez. C'est du bonus. Allez. Stop. Yes, les amis. Marchez, marchez, battez-vous bien. J'espère que la musique n'était pas trop forte.
Vous avez réussi à écouter un peu mes explications. Comme je vous disais, la plupart des exercices, on les a déjà fait ensemble. Après, même quand on faisait notre TRX, on n'était pas spécialement habitué à travailler dans cette forme-là, 20 secondes, 10 secondes. Mais le côté positif, c'est que les séances sont beaucoup plus courtes. Et en fait, le fait de travailler plus en intensité, là, cette fois-ci, on vient puiser un petit peu sur vos réserves. On vient puiser dans vos graisses, d'accord? Ok, il n'y a pas de miracle. Le travail, le travail, le travail. Ok, bon. Donc là, c'était le premier bloc. Je vous l'ai dit, on les fait deux, voire trois. On ne fera peut-être que deux. Et sur le troisième, je vous ferai un mix de tout ce qu'on a fait depuis le début. D'accord? Alors, on se prépare. Rappelez-vous, premier exercice. On part sur le push-up, sur les genoux. Alors, on met son tapis, les amis. En position. Allez, 3, 2, les bras à l'argent des épaules. Go, c'est parti. Allez. Pour celui qui est vraiment à l'aise sur les push-ups triceps, sur les genoux, vous pouvez les faire évidemment sur les pieds. D'accord? À partir du moment, vous respectez bien l'axe, d'accord? Oreille, épaule, bassin. Ok. Stop. Rappelez-vous, je vais le faire de l'autre côté, d'accord? Et on vient chercher les chevilles. Et on repose bien, d'accord? Go, à vous. Soufflez bien, contractez bien les abdos. Allez. Allez, encore 10 secondes. Trois, deux, un, stop. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On se redresse. 3, 2, 1, on part sur les squats. Go! Allez, dos bien droit, les pieds toujours à l'arrière du bassin. Engagez bien votre fessier sur l'arrière. Je regarde en face de moi. Déjà 10 secondes. Encore 10 secondes, les amis. Stop! 10 secondes, on reprend son tapis. Je sais, ça enchaîne, ça enchaîne. On reprend sa barre virtuelle. Go! Et on passe au rameur. Les pieds sont bien au sol. On pousse le menton à chaque fois. Pas avoir de contrainte au niveau de vos cervicales. Top. On se prépare pour les push-ups. Attention, go, c'est parti. Allez, on lâche pas. Encore. Voilà, encore. On m'appelle toujours quand je suis. Encore. Allez, encore les amis. J'ai plus de chrono. Stop. Ok, une minute de pause. On pousse le tapis, on part sur le cardio. J'espère que ça va tout le monde. J'espère que tout le monde va bien à la maison. Si vous avez besoin de plus de pause, prenez le temps qu'il vous faut. Moi, je vous donne des bases, les amis. Si 20 secondes, c'est de trop, vous pouvez faire 20-20, c'est-à-dire 20 secondes de travail. On récupère sur 20 secondes, d'accord? On n'est pas dehors, il fait dans la maison, il fait chaud. Ouvrez les fenêtres si vous voulez. Allez, il reste encore 20 secondes de récup. Et rappelez-vous, sur le premier exercice de cardio, on part sur le jumping jack. Profitez de cette minute-là. Et après, on envoie, les amis. Encore 10 secondes. Allez, on commence à se préparer. 5, 4, 3, 2, 1, go, c'est parti. Allez, soufflez bien. Thank you.
secondes de récup. Et on se prépare pour le mountain climber. Je sais que vous aimez bien. Bon, c'est parti. Allez, on redresse la colonne cervicale. Encore 10 secondes. Allez, on lâche plus, les amis. Prochain, viking, rappelez-vous, talons fesses, go. Allez, bien droit, 10 secondes encore. Allez les amis, on lâche plus maintenant. Je sais, ça commence à piquer. Allez, 3, 2, 1, stop les amis, 10 secondes. Ensuite, rappelez-vous, montée de genoux. Allez, les frangins. On n'arrête pas les frangins. Je vous vois au fond de la salle. Go, c'est parti. Allez, soufflez bien. Dos bien droit. Montez bien les genoux. 10 secondes encore. Allez, jusqu'au bout. Rappelez-vous, gainage facial sur les mains, go, c'est parti. Et on va faire déplacement latéral en même temps, gauche, droite, droite, gauche. Déjà, deux blocs. Bon, je parle en plus, mais hein, le cœur, vous sentez que ça monte. Hein. Ouf. Alors, il nous reste un bloc de 7 exercices avant de se quitter. Sur les 7 exercices, on va faire un mixte de ce qu'on a fait, bloc 1, bloc 2. Pensez à bien prendre votre minute de pause. Alors même, la vidéo, vous pouvez la refaire plusieurs fois. Gardez quand même cette minute de pause. Après, sur les temps de travail, vous pouvez jouer avec. Il n'y a pas de problème. Et après, si vous êtes vraiment fort et que vous voulez travailler encore plus dans le cardio, vous passez à 30 secondes et vous gardez vos 10 secondes de récup. Quitte à réduire un peu les exercices. Quand je dis réduire les exercices, pas les 5 exercices donnés, mais les nombres de blocs. Vous pouvez jouer à ça, monter un peu votre temps de travail, ou à l'inverse, si ça vous paraît compliqué, comme je vous ai dit en amont, on réduit, il n'y a pas de problème. Vous allez travailler quand même, vous réduisez, vous faites en 20-20, et puis ça va le faire, et puis après vous passerez à 20-10, et puis après à 30-10, on pourrait même passer après à 45-15. Voilà, ça c'est des données, de toute façon, n'hésitez pas, comme je vous ai dit la première fois, vous allez sur mon Facebook, vous m'envoyez des messages, que ce soit pour votre diététique, tout, je suis là pour y répondre. J'essaye, je ne suis pas diététicien, je me sers que de mon expérience et des formations que j'ai avec Bautisané. Ok les amis, bon, dernier bloc ensemble, annoncer 7 exercices. Donc tous les exercices qu'on a fait, vous les connaissez, d'accord? On va juste mettre un squat jump, rappelez-vous, squat, et on va chercher le jump. D'accord? Et on va chercher, on ne fait pas squat, je remonte, jump. Servez-vous de l'élan justement, d'accord? Squat, jump. C'est le seul exercice que je vais vous mettre en plus, d'accord? Ok, votre tapis toujours à côté, vous êtes bien hydraté. Go, on repart le premier exercice sur les push-ups. Alors là, c'est pareil. Ce qu'on va faire, ça va être un peu plus long parce qu'on va faire, on va plus travailler cette fois-ci en temps, d'ailleurs j'éteins mon chrono, on va plus travailler en temps, mais on va travailler en répétition.
D'accord. Alors, encore une fois, là je vais les enchaîner parce que je fais la vidéo. Mais là on va partir sur 20. D'accord. Sur le premier, on va partir 20. Ok. Sur les 20, si vous voulez faire 4 x 5 en 10 minutes, j'exagère, faites-le. D'accord. Là, c'est juste vous donner, vous faire travailler un peu le mental, vous donner une base, objectif, vous faites vos 20 push-ups. D'accord. Allez, on y va. En position, ce que je veux, c'est que vous respectiez le postural qu'on travaille depuis le début. D'accord. Allez, go, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, on est toujours en push-up triceps, hein? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. On récupère un peu, d'accord? Même si moi j'ai terminé, vous n'avez pas terminé à la maison, ce n'est pas grave, vous aurez tout le temps de la faire, cette séance, d'accord? Ok. Là, on va en faire 10 sur les pieds. Pour ceux qui savent encore faire des pompes sur les pieds, ce n'est pas un problème. Restez sur les genoux. Sauf que, on ne va pas les travailler largeur des épaules, mais un peu plus large. Là, on vient travailler les pecs. D'accord? Là, on était sur les triceps. Donc là, moi, je vais les faire sur les pieds pour ceux qui veulent les faire sur les pieds. D'accord? Et là, on part sur 10 simplement. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Genou au sol. Ok. Premier exercice push-up terminé. Rappelez-vous ce qu'on a fait tout à l'heure. Abdos au portefeuille. Là, on va partir sur 30 répétitions. Donc, les 30 répétitions, c'est pareil. Vous faites à votre rythme. Ok. Concentrez-vous justement sur le mouvement, ok? Je veux que ça soit propre. Allez les amis, go, c'est parti. 1, 2, 3, soufflez bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ce qui est important aussi là, reposez bien vos cervicales, sinon vous allez avoir vite des courbatures au niveau de vos cervicales. Encore une fois, si vous voulez faire par 5, par 4, par 3, prenez un objectif 30. 30 si ça vous paraît trop encore, réduisez à 20, à 10. Ok, bien. Là, on va partir sur le squat. Je vous ai dit, on faisait un mix de ce qu'on a fait. Et on va partir sur 30 squats, largeur du bassin. On ne lâche pas. Go, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, soufflez bien. 10 et on repart. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, c'est pas terminé les amis, ça se termine bientôt. Là on rajoute le squat jump. Ok, go, c'est parti. 1,
2, allez chercher haut, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bien les amis, on reprend son tapis. Et on va se mettre le dos, excusez-moi, je vais me mettre sur le côté. Allez, les mains mises au sol, on monte le buste au maximum, le buste au bassin, et on descend les fesses quasiment au sol, je repars. 2, je contracte bien les abdos en position haute, je relâche quasiment au sol, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je pose. Repars sur 10. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je récupère et je vais me tourner pour mettre ma vente. Et on repart sur la barre virtuelle, sur le rameur. Go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Bien, 10 secondes. Et il nous reste quoi pour terminer, mes amis? On va terminer sur les push-ups. En position, sur les genoux. Go, c'est parti, en triceps. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et je reste, je maintiens la position à 10, le poids du corps est toujours sur les épaules, et je repars, 1, là ça va commencer à chauffer un peu les triceps, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, je bloque, et je relâche en position neutre, je m'assois sur les talons, je vide bien l'air des poumons, position neutre, yes les amis, bien, bravo à vous, c'est terminé pour ce soir, alors, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez bien travailler chez vous, j'espère que vous allez bien transpirer, je vous invite à utiliser votre femme, votre mari, les enfants, c'est du poids de corps, même si c'est que 5 minutes sur les 20 minutes, ce n'est pas grave, faites du sport les amis, bah écoutez, ça m'a fait un plaisir de faire cette vidéo, de faire ces vidéos, j'espère vous revoir très prochainement, on va attendre que ce confinement se termine, pour essayer de retrouver une vie normale, et c'est un grand plaisir de vous retrouver en outdoor, en indoor, peu importe, au TRX, parce que c'est ma philosophie. Et vive le sport, vive l'activité physique. Merci à vous et je vous dis à très bientôt.